Nous sommes partis à Auxerre dans cette galerie du nom de Move Art où nous avons découvert une exposition de body painting. Trêve de bavardage et laissons maintenant la parole à notre artiste. Donc, je m'appelle Sylvana, je suis artiste plasticienne. J'expose aujourd'hui mes autoportraits et mes auto-body painting à l'espace Move Art à Auxerre. Donc en fait, je me suis peinte toute seule sur le corps et ensuite je me suis prise en photo. J'ai toujours voulu être maquilleuse pour le cinéma. Et donc en fait, là, c'est vraiment la transformation, la métamorphose, tout en associant le côté performance. Parce que c'est vrai que mine de rien, voilà, comme vous me l'avez demandé tout à l'heure, c'est pas si simple que ça de se peindre seule. Donc il y a vraiment cette dynamique de performance également derrière tout ça. Mon corps, c'est mon outil en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment un moyen que j'ai pour exprimer plein de choses, pour transmuter. Cette expo-là, en fait, je l'ai préparée pendant la saison 1 du confinement, donc au printemps 2020. Et en fait, pour moi, ça a été une manière de transmuter l'actualité, de faire ressortir des choses autrement et d'éviter de vivre dans un cadre anxiogène. Et au final, c'est également pour montrer le cadre qu'on nous impose, le cadre dans lequel on vit. Tout est parti en fait justement de ce cadre qu'on peut voir sur certaines de mes photos, hein, dont le clown. Hein. Et au final, si on accepte d'y rester, c'est un choix, mais on a aussi la possibilité de s'en extirper du cadre. Et sur certaines photos, le cadre est présent, sur d'autres, le cadre bouge. Et sur d'autres, il est inexistant en fait. Voilà.